Horoscope Lion du 10 février 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Célibataire, cette configuration de la Lune devrait vous mettre à l'abri de la solitude. Pour certains d'entre vous, il y aura une rencontre, tandis que pour d'autres, c'est une relation récente qui évoluera. Dans les deux cas, avancez doucement, sans vous projeter trop loin. Laissez les choses se faire à leur rythme, c'est plus avantageux pour vous. Tout marchera pour le mieux entre vous et votre conjoint ou partenaire. Vous ferez tout pour arrondir les angles et faire plaisir à l'autre. Vous parlerez vacances, décorations ou enfants. Horoscope Argent. Avec cette configuration astrale, il faudra prévoir une forte contrainte financière. Des problèmes en rapport avec l'immobilier sont possibles et cela pourrait se traduire par des dépenses importantes et parfois imprévues. Certains natifs devront avoir à faire aussi des dépenses supplémentaires pour les enfants qui grandissent et dont les besoins sont plus importants qu'auparavant. Horoscope santé. Environnement astral propice à une bonne résistance physique. Vous connaîtrez peut-être un petit moment de fatigue, mais vous récupérerez très rapidement en vous couchant un peu plus tôt. Cette journée pourrait permettre à certains natifs atteints d'une maladie chronique de voir leur mal évoluer favorablement, grâce peut-être à un changement de traitement. Horoscope Travail. Un bon mouvement céleste va protéger votre vie professionnelle. Mais attention, Jupiter mal aspecté pourra vous rendre beaucoup trop impulsif et imprudent. Restez prudent, n'agissez que si vous êtes sûr de vous, sans quoi vous risquez très vite de regretter votre attitude. Horoscope Famille. Surveillez bien la santé de vos enfants. Un examen semestriel de routine ne sera pas inutile. Même s'il ne présente aucun symptôme inquiétant, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Horoscope vie sociale. Vous voudrez exercer sur votre entourage une autorité tyrannique, mais cela risque de provoquer des conflits graves. Le moment sera mal choisi pour des contestations juridiques. Choisissez le compromis.